Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Créabilou. Donc comme je vous disais sur la vidéo précédente, donc je reviens aujourd'hui pour un nouveau genre de vidéo sur ma chaîne. Donc un unboxing de la boîte, je vais vous montrer la Degusta Box donc, que j'ai reçue hier. Donc j'attendais de pouvoir faire la vidéo. Donc je l'ai juste ouvert comme ça pour gagner un petit peu de temps, mais je n'ai pas regardé les autres vidéos pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc le concept, je pense que vous devez peut-être le connaître, en tout cas je vais vous le rappeler. On reçoit mensuellement, donc on s'abonne, alors c'est un abonnement qui peut être résilié à tout moment, donc sans vraiment d'engagement, parce qu'il suffit de dire que vous ne la voulez plus pour ne plus l'avoir. C'est un abonnement mensuel où on reçoit donc par surprise, donc on s'inscrit sur un site, on donne quelques indications de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ou ce qu'on préfère et tout ça, mais quoi qu'il en soit, mensuellement on reçoit une box avec de la nourriture à l'intérieur. Donc comme j'avais dit dans d'autres vidéos, j'ai déjà fait les box beauté, la Carla box et la Beautiful box. Et là j'avais envie de faire une box un peu plus familiale, donc pour en recevant un petit peu de la nourriture. Donc le tarif là actuellement est à 10,99 €. Pour la première box, et après donc vous avez le choix de la faire livrer soit à votre domicile, ça vous coûtera 5 € de plus, soit dans un relais colis, et c'est à ce moment là c'est gratuit. Donc bon, moi j'ai décidé de la faire livrer à la maison pour plus de facilité, donc pour moi. Donc ben, sans plus tarder, on va ouvrir cette box là et on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà, alors je vous dirai peut-être plus d'infos en ouvrant la box parce que je n'ai pas relevé toutes les infos qu'il y avait. Donc voilà, donc elle se présente comme ça. Hop. Donc il y a du papier bulle. Voilà. Donc il y a un petit. Alors je vais vous pencher. Hop. Voilà. Hop. Donc il y a un papier comme ça où il y a marqué ouvrez-moi, dégustez-moi, partagez-moi. Ça c'est sympa, c'est un petit cœur. Voilà. J'essaie de ne pas abîmer, comme ça je pourrais garder le papier qui est du papier très fin craft. Voilà. Et donc, alors, je vais la mettre sur le côté pour éviter de trop regarder. Donc, dedans, nous avons un petit. Alors, j'essaie de ne pas trop regarder ce qu'il y a dedans, comme ça, ça gardera la surprise. Donc, un petit flyer en fait, hein, où a priori est marqué. Les gagnants sûrement de Henri Dora un jeu, la Degusta Lays, donc je sais pas trop ce que c'est, voilà, un concours photo Degusta Box, voilà, et donc derrière on a, voilà, ce que je suppose qu'on doit avoir dans la box. Je préfère ne pas regarder, je reviendrai dessus après, s'il le faut. Alors je vais juste baisser un petit peu, peut-être pas. Voilà, je vais juste le mettre entre les deux, j'espère que vous me voyez encore un petit peu. Donc dedans, il y a apparemment donc de la réduction. Voilà, donc là c'est pour la réduction, donc c'est un ticket réduction, donc c'est toujours sympa. Et là, on a aussi une réduction pour un jus de fruits. Voilà. Donc, ben, sans plus tarder, je vais ouvrir. Donc déjà, pour démarrer, nous avons... ben des petits, on dirait comme les petits napolitains là, mais donc c'est de la marque Brossard, c'est craquez-moi et c'est framboise. Donc c'est des petits sachets, donc il y a 5 sachets individuels, 2 petits goûters comme ça en fait, Brossard. Donc là c'est la marque, c'est de là à la framboise. Donc il y a un chocolat craquant au milieu, donc ça doit pas être trop mal. Hein. Voilà, donc j'ai celui-là et je vois qu'il y en a un deuxième, donc je le prends. Et donc c'est le même, mais tout chocolat. Voilà, donc c'est en grande quantité, enfin c'est en quantité vente normale, hein, standard. Voilà, donc déjà ben, 2 goûters. Voilà. Nous avons alors des biscottes de la marque Heudebert au blé complet. Voilà, donc pareil, il y a
Je veux dire, c'est pas des échantillons, hein, c'est des trucs qui sont vendus en magasin. Voilà, donc apparemment c'est spécial goûter ou déjeuner, je sais pas trop. Ça a l'air d'être spécial déjeuner. Peut-être que c'est ce qui est marqué d'ailleurs là. Dégusta box, voilà, petit déjeuner. Donc c'est spécial petit déjeuner là pour le coup. Donc nous avons de la marque Tetley ben, des sachets de thé, du thé noir du nord-est de l'Inde. Voilà, donc ben, ça c'est toujours agréable. Moi j'aime bien le thé. Donc là c'est Indian Memories. Donc il y a 18 sachets enveloppes. Hein. Bon après c'est du thé. Hein. Voilà, de la marque Tetley Signature. Donc il y en a 18, c'est quand même une bonne quantité. Nous avons eh ben, un Joker pur jus, donc pomme poire. Donc pareil, on est toujours dans le petit déjeuner. Pour le matin, c'est parfait. Voilà, donc d'où la réduction pour un autre jus de fruits. Voilà. Donc il y a 30% de sucre en moins grâce à l'eau de coco. Donc il y a de l'eau de coco, ça ne doit pas être mauvais à mon avis. Donc voilà. Donc j'ouvre encore, nous avons. Des pom-pom sans sucre ajouté aux 5 fruits. Donc voilà, c'est des petites pom-pom comme ça. Voilà, sans sucre, donc origine, donc pomme origine France, sans conservateur, hein, ouverture facile. Voilà, aux 5 fruits, mélange de pommes, abricots, pêches, poires et bananes. Donc il y en a. Combien il y en a dedans? Est-ce que c'est marqué? C'est un peu comme on dit, alors, dedans. Ouverture facile, je vais compter, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4. Voilà, donc des pom-pom. Donc bon, pour le coup, là, c'est quand même très familial, il y a de tout. Alors, nous avons des Haribo, des bonbons Haribo Love Licorne. Donc en plus, ce même Haribo, c'est mes Haribo. C'est des bonbons, moi je ne suis pas très très fan, mais ma fille va sûrement aimer ça. Voilà, donc c'est des bonbons en gélatine, là, gélifiés. Donc, goût pomme d'amour, glace à la fraise, flan au caramel, bubblegum et grenadine. C'est quand même des goûts très originaux. Et là, je me suis tentée quand même pour un ou deux, surtout sur celui de la pomme d'amour. Voilà, donc des bonbons Haribo à partager. Nous avons. Alors, la paille qui s'est un petit peu décollée. Donc, un biodine biotonique. Alors, ça, c'est quoi? Super mini lait, amande vanille. Donc, ben, c'est un peu mini lait, en fait, apparemment, à boire comme ça, à base d'amandes partiellement dégraissées, avec algues lithotamnes, du sirop d'agave. Il y a 3 grammes de protéines pour 200 millilitres. Donc, il n'y a pas de lait. Hein, donc il y a 320 donc, grammes de calcium pour 200 millilitres. Donc, c'est biologique, pardon, il y a marqué AB. Voilà, label AB. Donc, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Je ne connais pas du tout. Voilà, donc c'est bio. Deux fois plus de protéines, marque, trois fois plus de calcium. Donc c'est un petit concentré en fait à boire, tout simplement. Non, je ne connais pas du tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben, ça c'est pour les encas, c'est pas mal. Donc on a des petits sticks comme des barres de céréales, donc là, coconut, donc noix de coco, sans sucre ajouté. Ils disent, alors c'est pas, il n'y a rien de marqué en français en gros. Voilà, hop, je vous montre. Donc c'est des petites barres protéinées, je suppose, ou des barres de céréales, de toute manière. Voilà. Bon, je lirai après exactement ce que c'est. Donc nous en avons deux comme ça. Et pour terminer, alors bien emballé, on dirait de la confiture. C'est bien emballé, c'est un pot en verre. Confiture de myrtille. Via la marque, voilà, donc c'est pareil, c'est un bon pot aussi, donc c'est pareil, ben c'est spécial petit déjeuner. Il y a 65% de fruits, moins 40% de sucre,
Voilà, donc on a du thé, des stickers. Alors je vais lire ce qu'il y a marqué là-dessus. Juste pour les barres à la noix de coco. Voilà, je vais savoir. Donc alors, je vais vous dire quand même les tarifs puisqu'ils y sont marqués du coup là. Alors, on va commencer par les Haribo. Les bonbons, ils sont à 1,75 €. Voilà, donc apparemment ça c'est nouveau, hein, c'est marqué, c'est nouveau. Voilà, donc là il y en a pour 1,75 €. Les biscottes Heudeberg, il y en a pour 1,88 €, donc ils disent un paquet par box. Les Biodines, la super mini lait, amande vanille, amande chocolat, donc il y avait soit amande vanille, soit amande chocolat. Moi j'ai eu amande vanille. Donc une alternative végétale de haute densité nutritionnelle, ils disent. Donc c'est une briquette par box. Voilà. Et ça coûte 1,80 €. Alors le concept de la box, moi ce que j'aime surtout, c'est que c'est pas forcément des choses que j'irai acheter en magasin. Déjà et d'une parce qu'en règle générale, j'achète pas beaucoup de marques sauf vraiment des trucs bien particuliers ou que j'aime cette marque-là, donc je vais prendre. Mais en règle générale, je vais pas systématiquement sur les marques ou les nouveautés. Donc ça, c'est quand même le concept de la box qui est pas mal. Voilà, les Haribo licorne. Alors peut-être, je vous dis peut-être qu'elles existent déjà en magasin depuis un petit moment. Le concept, ils disent que c'est nouveau apparemment, parce qu'il y a le petit écusson new. Maintenant, c'est pas forcément le genre de truc que j'irai acheter. Ma fille peut-être un peu plus, mais voilà, on n'y va pas systématiquement, donc c'est vraiment dans les cas exceptionnels. Donc du coup, ben là, ça permet de tester des produits différents que je ne serais pas allée d'instinct, comme là le lait de la marque Biodine, là, du lait végétal comme ça, je serais pas aller le prendre, ça c'est sûr. Donc du coup ça me permet de en fait tout ce qu'il y a là, bon, à part le jus de fruits, parce que le jus de fruits et les biscottes, parce que les biscottes c'est le genre de truc où j'achète quand même, pas forcément au blé complet, voilà, pas forcément cette marque-là. Les compotes, je les achète mais sous un autre format, parce que bon, ma fille est grande, elle a 14 ans, malgré qu'elle aime bien quand on part en pique-nique ou qu'on part ailleurs ou qu'elle a des pique-niques à l'école, elle aime bien prendre à boire comme ça. Bon, le thé, moi j'en achète régulièrement. Je ne connais pas cette marque-là, ça va me permettre de tester. Donc voilà, c'est pas. Donc si. Donc les pommes pop, les pommes potes, pardon. Donc sans sucre ajouté, elles sont à 2,05 €. Produit du mois, donc c'est le Joker apparemment. Le jus de fruits, il est à 2,45 € et apparemment c'est une nouveauté. Peut-être parce qu'il est à l'eau de coco, je sais pas. C'est un pomme-poire, donc apparemment c'est 100% fruits pressés. Donc a priori c'est une nouveauté. Ils écrivent Joker lance une nouvelle recette pomme-poire dans sa gamme de pur jus 30 fois 30% moins sucré. Il s'agit d'un produit 100% pur jus et 100% naturel. 30% moins de en moins de sucre, pardon, j'y arrive pas ce matin. Et toujours aussi bon. Donc apparemment ça c'est bien. C'est en fait, comme les biscottes, pareil. Qu'est-ce qui est nouveau? Les brossards c'est nouveau. Ben, en fait il y a tout de nouveau à part apparemment le thé, les barres à noix de coco. Voilà. Alors, les barres c'est ça que je voulais savoir ce que c'était vraiment. Donc Nyx noix de coco est une barre riche et délicieuse au bon goût de noix de coco naturellement sucrée et enveloppée de chocolat au lait sans sucre ajouté. C'est le choix idéal pour un petit déjeuner gourmand. Nous n'ajoutons jamais de sucre dans nos produits, pas maintenant ni dans le futur. Vous pouvez trouver les chocolats sur nanana, en profitant du code promo Dégusta1. Donc apparemment il y a aussi donc un code promo. Donc c'est il y en avait deux par boîte. Voilà. Donc la confiture, ils disent donc c'est entre 1,80 € et 2,50 €, donc selon la confiture. Donc alors, par exemple, pour vous donner un exemple, la confiture d'abricot, il marque qu'elle est à 1,80 €. La confiture de fraise, elle est à 2,30 €. La confiture de framboise, elle est à 2,15 €. Et donc la confiture de myrtille est à 2,50 €. Donc pour le coup, là, ils m'ont donné la plus chère. Voilà.
Donc, pour une box que là, pour le coup, j'ai payé donc 10,99 €. Si je fais le calcul même vite fait, comme ça mentalement, j'en ai pour plus que 10,99 €. Voilà. Donc, le concept de la box pour l'instant me plaît bien. Je vais voir ça avec la famille, voir ce qu'ils en pensent. Ils aimeront sûrement pas tout, mais je pense que à tous, on arrivera bien. Moi, ça, je vais le goûter. La confiture de myrtille, sans problème, que ce soit mon mari ou moi, on va la manger. Les bonbons, je pense que ma fille va s'en charger. Les stickers, ben, on goûtera. Moi, le thé, dans tous les cas, ça sera certainement pour moi. Moi, j'adore ça. Les biscottes, ça passe tout le temps. Alors, les brossards, je pense que chocolat, ça sera papa et la fillette. Et peut-être que framboise, bon, ben, ils mangent tout d'autre, mais framboise, je pense que je goûterai aussi. Et les pommes, potes, ça passe tout le temps dans tous les cas. Donc voilà. Donc je pense, dans tous les cas, je ne vois pas quelque chose qu'on ne mangera pas. Autant l'un que l'autre, on goûtera dans tous les cas, ça c'est sûr. Après, si on aime, on n'aime pas. On vous fera peut-être, je vous ferai peut-être un retour de ce qui est. Voilà, ça, peut-être je vous ferai un retour parce que je ne connais pas. Alors peut-être que vous, vous connaissez, mais moi, je ne connais pas. On vous ferait un petit retour. Dans tous les cas de ce qu'il y en est. Donc moi pour l'instant en tout cas la Degusta Box m'a bien plu pardon, là j'arrive pas. Voilà, l'emballage est très très bien, c'est très bien, ça a été livré par Cromondo Poste plus tôt que prévu, parce que normalement je devais pas l'avoir avant la semaine prochaine et finalement je l'ai reçu hier. Alors j'ai commandé quand est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé dimanche. Il me semble que j'ai commandé dimanche et je l'ai reçu donc mercredi. Oh, on est quel jour? Vendredi. J'ai reçu jeudi. Donc ça va, c'était pas. Voilà. On a le suivi qui nous dit que Chronopost va nous le livrer. Donc il n'y a pas de souci. Et encore non, je devais le recevoir mercredi et comme j'étais pas là mercredi, en fait, j'ai demandé à être livré le jeudi. Donc du coup, commandé dimanche, reçu mercredi. Franchement. Ça va quoi. Et donc, je vais recevoir la prochaine, donc sûrement fin de mois prochain. Donc là, c'était donc la box Degusta Box spéciale petit déjeuner. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous fais des bisous. Je me languis de goûter tout ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.